trou. Ouverture, fermeture. On y tourne une clé car c'est une serrure. Moi, quand j'étais petite, il y avait des portes, hein, comme aujourd'hui. Avec des trous de serrure et des clés pour fermer la porte à clé. Sauf que quand j'étais petite, il y avait des gros trous de serrure avec des grosses clés. Si bien que quand la porte était fermée à clé, qu'on ne pouvait pas l'ouvrir et que la clé était sortie de la serrure, pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte, c'était pratique. Il suffisait de se pencher et de regarder. La curiosité, une envie d'aller voir là-haut. J'ai attrapé le tronc de mon petit poids et je me suis mis à grimper, à grimper, à grimper, à grimper pendant je sais pas combien de temps. J'ai grimpé, grimpé, grimpé tout le long du tronc de mon petit poids et tellement haut que je me suis cogné la tête au nuage, même pas mal. J'ai continué à grimper, j'ai traversé les nuages, je suis sorti au-dessus et là... Alors il s'est mis à demander une chance. Juste une chance. Même toute petite. Une chance. Mais ça n'a rien passé. Alors il se l'a demandé plus fort. Une chance. Juste une chance, hein. Moi je veux juste une chance. Hein. Même toute petite, hein. Juste une chance. Et il ne s'est rien passé. Le garçon, il a commencé à s'agacer, puis il s'est mis à parler fort, une chance, juste une chance, même toute petite, j'en veux juste une. Et puis comme il ne se passait rien, il s'est mis à hurler dans la grotte, tant et tant, que tout d'un coup, il y a un grand vent qui s'est levé dans la grotte, qui l'a attrapé et qui l'a jeté dehors. Et il s'est retrouvé les fesses par terre, assis devant l'entrée de la grotte, les deux mains à plat sur le sol. Alors garçon, tu as peur de moi? Peur? Mais pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Je ne te connais pas. Mais enfin, tu ne me connais pas. Je suis le diable, l'être le plus terrible de la terre. Alors, tu as peur? C'est toi le diable? Mais tu es tout petit. Tu ne me fais pas peur. Alors, le diable se met à gonfler de colère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu votre ventre crier famine. Oui? Non? J'avais de la chance. La petite souris, ça faisait plusieurs jours déjà que son ventre criait famine. Et elle ne savait plus quoi faire pour ne plus l'entendre. Il criait tellement fort, elle avait beau se boucher les oreilles, elle entendait son ventre crier par l'intérieur. Elle ne savait plus comment faire, elle n'arrivait même plus à dormir. Alors ce matin-là, la petite souris, elle a eu une idée. Elle s'est dit, pour plus entendre mon ventre, j'ai qu'à faire plus de bruit que lui. Et ce matin-là, elle a attrapé son petit balai et elle s'est mis à balayer sa petite maison en frottant fort le balai par terre pour qu'il fasse plus de bruit que son ventre. Et ça faisait frotte, frotte, frotte. Elle avait roulé au pied de son balai une petite pièce d'argent. C'est bien ça ?